Voici une comptine pour entraîner les gestes qui vont servir à écrire. Drin, 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 Madame la fouine va chez le mulot avec son vélo. Drin, 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 laissez-la passer, sinon elle va vous écraser. Voici un par un les gestes qui composent la comptine pour bien les faire effectuer à votre enfant. Pour le drin drin, on utilise son pouce et son index. Quand on aura le crayon dans les mains, ce sont les deux doigts qui seront de chaque côté du crayon pour le maintenir. Drin drin. Ensuite, on prépare le museau de la fouine. On colle les bouts de ses doigts de la main gauche et de la main droite les uns contre les autres. Ses pouces, on lève bien les coudes. Et on va placer ce petit museau comme un masque sur son nez. Attention à bien faire lever les coudes de votre enfant pour pouvoir effectuer un trait bien droit, avoir le poignet aligné avec le crayon. Il est important de lever les coudes, de bien s'installer à son bureau. Ensuite, le mulot. On met ses petites mains comme des coupelles. Elles vont faire les joues du mulot. Pour faire le geste du vélo, il est important d'avoir le coude bien plié, décollé légèrement de son buste. Et on fait tourner ses roues, comme un mécanisme de train, avec les bras bien parallèles. Enfin, il y a le rouleau de la fin qui correspond au geste du rouleau en écriture, celui avec lequel on va faire le S par exemple. On place ses mains bien à plat, avec le pouce dans le prolongement, et l'on va faire tourner vers l'extérieur. Faites bien attention, il s'agit bien d'aller de la gauche vers le haut, puis la droite et redescendre. Corrigez votre enfant s'il part dans l'autre sens, c'est-à-dire s'il ramène les mains vers lui. Il faut qu'il les écarte de son corps.